J'enverrai deux de mes hommes sur le coup à l'adresse indiquée. Ouais. Je suis que les cibles y seront. Ok. Depuis que nos parents sont morts, je travaille pour le compte du boss afin de subvenir aux besoins de ma sœur et moi. J'ai tué beaucoup d'innocents. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas tuer. Tel que vous savez, je déteste le travail mal fait. Ok, boss. Mon nom, c'est Franco. Ah, le temps est parti. Vous savez l'adresse, non? Foutez le camp, putain de merde. Ok, boss. Salut, boss. T'en as mis du temps, toi, là. Désolé, j'avais un compte temps. Imbécile, pauvre abruti. Tu sais ce que ça peut me faire perdre ton compte temps? Je suis désolé, boss. Julie Gonzalo, 20 ans, unique enfant de la troisième épouse du propriétaire de la Banque Centrale et seule fille de la famille Gonzalo. Elle est héritière des 90% des biens du vieux. Descendez là, soyez discret. Franco. Bon, ma chérie. Oui. Faut que je rentre. Déjà. Peux-tu ne même pas passer assez de temps avec moi? Bon, tu sais, j'ai très bien envie d'être avec toi. J'ai même envie qu'on aille dans la chambre. Mais il faut que je rentre. C'est un nouveau job. Julie Gonzalo. Compris, boss. Ouais. J'ai beaucoup de choses à faire à la maison, franchement. Tu te rappelles, je vais parler d'un roman que je vais t'inviter. Oui, il faut que je le fasse. En ce moment, c'est la chose que c'est le plus important. C'est quoi, tu t'es fâché? Non. Tu es sûr? Mais je reconnais cette mine là. Je suis pas fâché. Tu es sûr? Alors pour moi, tu n'es pas fâché. Je suis pas fâché. Tu as oublié même de moi, j'appelle ma belle ma chérie. Ah oh, non, non, il va tout marcher. Salut, c'est vrai, ça va? Ça va, mais... Tu fais quoi, là? Tu tombes l'application, je suis en train d'essayer d'ouvrir au nez, puis ça ne marche pas. Ça marche pas? Tu pourrais m'aider, peut-être. Quoi? Voilà, c'est fait, bon. Je suis dans la chambre. Merci. Oui, ma fleur. Et ta soirée, ça va? Je suis là, ça va. Bon, alors, on se voit demain soir? Je crois. Et où est-ce que je dois rencontrer? Sur la route du cimetière. Pardon? Non, je rigole. Non, pas là chez moi. D'accord. Au soleil levant, je suppose. Non. À 16h. D'accord. Passe une bonne nuit. On est à toi, ça. Ma chérie, comme je te le disais, j'ai terminé la rédaction du roman. Tu as fini? Ok. Tu vois, c'est cette partie-là qui me crée des problèmes. Ah bon? Mais tu as mis de très belles phrases, c'est bien. Juste pour toi. Tu es sûr que moi j'ai les yeux lumineux? Oui, oui. Super. Quoi? Tu as vu ce que je viens de voir? Non, tu as quelque chose? Bon, peut-être que j'hallucine. Ah bon? Oui. Oh, tu m'as fait peur. Bon. Tu disais.
Mais tu es sûr que tu n'as pas copié les propos d'une chanson? Non, 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 tu ne pas. C'est trop romantique. Tu l'as vu? C'est quoi? Il était derrière quelqu'un là, Pio. Mais moi-même, j'ai vu quelqu'un là. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais mon sang n'est pas en tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est quoi là? Comment? Je t'appelais tout à l'heure, mais tu ne répondais pas. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, non, je faisais un travail dans la chambre. Ok. Bon, je peux te poser une question? Question? Mmh. Vas-y. Tu fais toujours tes... Ça te regarde pas, d'accord? Avez-vous pensé au rituel? Vous devez le faire. Oui, parce que c'est ma demi-sœur après tout. C'est ma demi-sœur. Elle doit avoir la paix éternelle. Et d'ailleurs, notre tradition l'exige là. S'il vous plaît, maman. Hein? Ok, j'ai compris, j'y vais. Elle est déjà? J'y vais très tôt. Là, c'est bien, c'est bien. Très tôt, ça serait très mieux même. Voilà. Ok, j'ai compris, j'y vais. Ok, c'est bon. Franco. Oui, boss. T'as fait un bon boulot. Voici ta part du butin comme prévu. Merci, boss. Je n'en veux pas. Pourquoi? J'en ai assez de ce boulot. Je ne peux plus continuer. Mais t'es malade? T'as perdu la tête ou quoi? J'ai passé toute ma vie à tuer des innocents. Vous me voulez quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là? Merde. Moi qui avais confiance en toi? Et de plus, j'ai un nouveau job pour toi. Boss, c'est juste pour ça que je suis venu. Merci. Allô? C'est fixé désormais. Demain matin à 8h dans la grande forêt, elle sera pour le rituel. À ce moment-là, vous savez ce que vous avez fait. Ok, pigé. Oui, allô? Demain, dans la grande forêt, à 8h. Ne ratez pas ce rendez-vous. Ok.
Prends-moi ici. Et si tu veux la laisser là, non, laisse, je vais gérer. Salut la mère de l'héritière. Fais ta dernière prière. Allô, boss. Non, on a presque terminé. La cible est toujours devant nous. Ok, boss. Arrêtez! Franco? Cette dame ne vous a rien fait, elle est innocente. Laissez-la partir. Depuis quand Franco a quoi pour les innocents? Voilà cela. Un pas de plus, elle est morte. Tora, j'ai fini par comprendre. Tora. Que personne n'est en même temps un sauveur et un oppresseur. Ça va? Une lumière et une ombre. Qui encore? Il faut forcément sacrifier l'un pour l'autre.